Solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. Ich bin ein Berliner. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. I love you. Mais Paris, libère. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons. Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Histoire d'un discours. N'hésitez pas à interagir avec nous avec le hashtag HDD. Pour cette nouvelle émission, j'accueille Sacha. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Maxime, je vais très bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand privilège de recevoir Benjamin Stora. Bonjour à vous Benjamin Stora, donc vous êtes en ligne via Zoom. Bonjour. Bonjour, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pour échanger sur le discours du général de Gaulle sur la déclaration du cessez-le-feu lors de la guerre d'Algérie. Benjamin Stora, on va revenir sur ça, mais avant toute chose, on voudrait faire une rapide biographie sur vous. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de synthétiser en quelques lignes, en quelques secondes. Vous êtes né le 2 décembre 1950 à Constantine, en Algérie. Vous êtes docteur en sociologie et docteur d'État en histoire, fondateur et responsable scientifique de l'Institut Maghreb-Europe. Vous êtes également membre de l'École française d'Extrême-Orient. Professeur des universités, vous enseignez l'histoire du Maghreb contemporain, le 19e et le 20e siècle, les guerres de décolonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en Europe à l'Université Paris 13 et à l'INALCO, la langue orientale. Auteur de nombreux ouvrages, vous écrivez en 2015 un livre passionnant, autobiographique, appelé « Les clés retrouvées », où vous raconterez votre enfance juive à Constantine, dans lequel vous revenez sur vos racines, celles notamment d'un jeune enfant qui grandit dans la communauté juive de Constantine et qui assiste à la guerre d'Algérie et qui se quitte et qui s'exile en France en juin 1962. Voilà en quelques lignes ce que l'on peut dire de votre parcours. On pourrait également parler de vos très nombreux travaux ou ouvrages, mais nous sommes un peu limités par le temps. Néanmoins, il est important de le rappeler, vous avez été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée le 24 juillet dernier. Le président de la République vous a alors confié une mission sur, je cite, entre guillemets, la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, en vue de favoriser la réconciliation entre les peuples français et algériens. Vous rendez votre rapport il y a peu, à peu près il y a deux mois, le 20 janvier dernier, où vous préconisez plusieurs initiatives scientifiques et mémorielles que nous verrons plus tard. Je me tourne vers toi, Sacha, avant d'entendre une partie du discours du général de Gaulle. Est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte ? Alors, le discours qu'on va écouter a eu lieu le 18 mars 1962, soit après 8 ans de guerre. C'est soit après 8 ans de guerre que le général de Gaulle va annoncer donc ce cessez-le-feu qu'on va écouter. Il va aussi annoncer l'organisation d'un référendum sur l'avenir des relations entre la France et l'Algérie. Cette prise de parole fait suite à la signature des accords dits d'Évian entre Louis Jox et Krim Belkacem, qui dirigent respectivement les deux délégations, la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Les accords d'Évian vont mettre fin à cette situation aux allures de guerre civile qui ne devait plus durer et bien sûr ça va permettre de stopper les opérations militaires. En effet, alors que le monde entre dans un processus de décolonisation, la présence de la France en Algérie devient problématique sur le plan politique. Bien que la France reste attachée à la puissance que confère la possession d'un territoire outre-mer, l'échec de la guerre d'Indochine et les actions du FLN sur le territoire poussent la France à revoir ses ambitions coloniales en Algérie. Les événements d'Algérie resteront dans l'histoire de la France pour plusieurs raisons, déjà par les méthodes d'une violence extrême employée par les deux parties, mais aussi car elles marquent le début d'une nouvelle ère pour la France qui devient une puissance européenne et non plus une puissance coloniale, mais surtout par l'impact sur la mémoire collective. Les conséquences politiques sont multiples, on pense notamment au rappel au pouvoir du général de Gaulle qui était exilé politique depuis 1947, et bien sûr la fin de la République, de la 4e République, en 1958. Cette guerre marque également la fin des déploiements de militaires non professionnels sur le terrain. C'est donc le 18 mars que le cessez-le-feu est annoncé depuis l'Élysée par le général de Gaulle, qui fait état de la conclusion des accords d'Évian. On y voit un président qui maîtrise le sens de la communication politique face à la caméra. Il prend soin de paraître spontané en ne lisant pas son texte. En fixant la caméra, il cherche à renforcer l'impact de son message centré sur l'avenir des relations et des destins croisés entre la France et l'Algérie. Merci beaucoup Sacha pour ce rappel des faits historiques et on va écouter un court passage de ce moment d'histoire de Gaulle. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie
les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Benjamin Stora, je me tourne vers vous, donc je regarde cet écran. Vous aviez 12 ans lors de cette allocution. Où étiez-vous à ce moment-là et quelle a été votre première réaction? Effectivement, je n'avais pas tout à fait 12 ans, mais j'étais à Constantine, dans la bonne ville de Constantine, où nous étions confinés, car les enfants n'avaient plus le droit de sortir dans la rue. Il y avait énormément d'attentats, il y avait énormément de problèmes, et le souvenir que j'en garde, c'est que je jouais souvent avec mes cousins. J'avais énormément de cousins, on était une très grande famille en Algérie, la famille Zawi, la famille Stora et la famille Zerbib. Et donc, on était sur les terrasses, parce qu'il y avait beaucoup de terrasses à Constantine. C'est un pays chaud, l'Algérie, et il y avait des terrasses. Et les enfants qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient plus sortir dans la rue, qui n'allaient plus à l'école, puisque tous les lycées, toutes les écoles étaient fermées, hein, depuis plusieurs mois. Et donc, nous jouions sur les terrasses de manière inconsciente et joyeuse, sans nous douter, naturellement, du sort qui allait être le nôtre, c'est-à-dire bientôt, le départ d'Algérie, 2 mois plus tard. Vous parlez d'insouciance, justement, mais est-ce qu'à cet âge-là, vous rendez compte de la situation? Est-ce que vous avez des échanges avec vos parents, des adultes, un petit peu, pour vous expliquer un petit peu la situation qu'il y a en Algérie? On n'avait pas d'échange à cette époque-là. Vous savez, les enfants écoutaient simplement. Ça, c'est évident. Ça a beaucoup changé après. Hein. Voilà, on a compris le message. Mais on écoutait beaucoup les propos échangés entre les parents derrière les murs, quand on avant de dormir le soir, etc. Et on sentait, bien sûr, que les parents étaient très angoissés parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Ils ne savaient pas s'il fallait rester en Algérie, ils ne savaient pas s'il fallait partir tout de suite. Mais enfin, tout le monde attendait cette déclaration du général de Gaulle, hein, celle dont on va parler maintenant, parce qu'il y avait encore, disons, cette ouverture possible de rester en Algérie avec une présence française qui pouvait éventuellement rester encore. Et le discours, comme on vient de le dire, ce discours du général de Gaulle marque quelque part la nécessité, la volonté, le désir pour un certain nombre d'Européens d'Algérie, dont les Juifs faisaient partie, hein, ils étaient français, donc de quitter le pays. Et ça, c'est un aspect. D'autres Européens se sont radicalisés en sens inverse, hein, et ont été plutôt du côté de l'OAS, ont voulu poursuivre le combat de l'Algérie française. Donc ce discours a marqué véritablement, quelque part, une rupture. C'est-à-dire, il y a entre ceux qui disaient s'il faut partir, il faut quitter l'Algérie puisque la France va partir, alors il faut suivre l'armée française. Ceux qui, au contraire, se sont lancés dans une sorte de combat désespéré pour l'Algérie française. Mais il y avait aussi ceux, et ça me vient à l'esprit bien sûr, parce que ça a existé dans ma famille, il y avait aussi ceux, y compris parmi les Juifs d'Algérie et de Constantine, ceux qui avaient décidé de rester en Algérie. Et il y a des membres de ma famille qui sont restés en Algérie après l'indépendance de juillet 62. Donc, mais ce discours, c'est quand même un tournant. C'est-à-dire qu'il faut maintenant décider, il faut trancher. Il y a eu énormément de débats, de discussions à l'intérieur des familles. Ces débats qui ont commencé en fait depuis un an ou deux. Hein. Les débats ont commencé après le discours du général de Gaulle de septembre 1959, lorsque le général de Gaulle a proclamé la nécessité d'une autodétermination pour l'Algérie. Et à ce moment-là, dans l'année 60 et l'année 61, pendant presque 2 ans, ben, il y a eu effectivement cette immense interrogation sur le fait de partir ou de rester. Vous savez, les Juifs d'Algérie étaient là depuis des siècles. Ils n'étaient pas, là simplement arrivés par la colonisation française. Ils étaient là depuis toujours. Et donc, leur décision de partir, de quitter cette histoire et ce pays, était une décision extrêmement difficile, extrêmement lourde. Et pendant presque 2 ans, il y a eu, disons, ce débat à l'intérieur des familles. Certains sont partis assez vite, dès 1960, 61, etc. Mais le discours, effectivement, et les accords d'Évian du 19 mars 1962, dans le fond, marque une fin d'hésitation. Mais justement, vous avez mis en avant le rôle de l'armée française. Donc, quand on écoute ce discours, on pourra vraiment le suivre sur nos réseaux sociaux, mais De Gaulle rend également hommage à l'armée, je cite, pour son courage et les contacts qu'elle a pu et su établir avec la population sur place. Comment ce discours, il a été perçu par l'armée française? Est-ce que ça a été comme une sorte de soulagement ou... Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect, disons, des officiers supérieurs, qui, il y a un an seulement à peine, en avril 1961, ont tenté un putsch contre le général de Gaulle. C'est seulement un an
C'est très peu par conséquent dans le temps. Et donc, il y a effectivement parmi les officiers en particulier une certaine amertume sur le fait d'abandonner l'Algérie. C'est quelque chose qui est réel, qui restera d'ailleurs à l'intérieur de l'armée française. Mais il y a les appelés. Les appelés du contingent étaient très nombreux, et 400 000 hommes sur le terrain, c'est beaucoup. Et la plupart étaient des jeunes hommes de 18 ans, 20 ans, 22 ans. Mais pour eux, la signature des accords d'Évian, c'était une véritable libération. Ils étaient tous naturellement derrière leurs transistors. C'était déjà la grande époque des transistors, bien entendu. Et là, l'annonce des accords d'Évian a été, le 19 mars, a été véritablement pour une immense majorité d'appelés du contingent, une sorte de soulagement, une sorte de libération. Et d'ailleurs, la plupart, disons, vont inciter leur famille à soutenir le général de Gaulle. Ce sont précisément les appelés du contingent. Mais ce n'était pas le corps des officiers, le corps des officiers supérieurs. De Gaulle leur rend hommage exprès, volontairement, dans ce discours, parce qu'il pense à ceux qui lui sont restés fidèles après le putsch manqué d'avril 1961. Tout à fait. Vous l'avez rappelé également, De Gaulle est un peu un précurseur. C'est le premier président à prendre la parole pour s'adresser aux Français, vraiment à la télévision. Justement, vous l'avez rappelé avec les nouveaux moyens de communication. Comment ce discours, il a été perçu par les Français, mais en France métropolitaine. Exactement, voilà, vous m'enlevez le mot de la bouche. En France métropolitaine. En France métropolitaine, la popularité du général De Gaulle est à son zénith. Bien sûr. Il faut rappeler qu'il est revenu en 1958 en disant qu'il allait justement gérer la guerre. Il est revenu en expliquant qu'il allait mettre fin à la guerre d'Algérie. Alors, on ne savait pas trop comment. Il avait des discours extrêmement ambigus, qu'il voulait parler à tout le monde en même temps. Tout le monde garde en tête, bien sûr, la fameuse formule. Je vous ai compris. Elle est très célèbre parce qu'elle c'est une formule extraordinaire qui permet de satisfaire tout le monde et personne. Enfin, bref. Donc, effectivement, en 1962, dans la France métropolitaine, il y a, disons, la volonté d'en finir avec cette histoire, parce que beaucoup de familles françaises ont très peur pour leurs enfants, ont très peur pour ceux qui sont leurs fiancés, comme on disait à l'époque, les oncles, les tantes, les maris, etc. Dans le fond, tout le monde en avait un petit peu marre de cette histoire, et De Gaulle va asseoir sa popularité à partir des référendums, notamment de 1960-61, et là, il va asseoir sa popularité. Et il est évident aussi qu'il a su dépasser les clivages politiques traditionnels en prenant la gauche complètement à contre-pied. C'est-à-dire que la gauche, disons, ne s'attendait pas du tout à un positionnement politique du général de Gaulle en faveur de l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle avait été, nous ne l'oublions pas, hissé au pouvoir par l'intermédiaire de ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française. Donc la gauche française, à partir de 1960, 61, 62, a été prise complètement à contre-pied par le général de Gaulle, complètement, c'est-à-dire qu'elle n'y s'y attendait pas du tout. Et de Gaulle, par conséquent, en a tiré profit, c'est-à-dire qu'il a dépassé ce clivage traditionnel droite-gauche sur la question algérienne en particulier, ce qui lui a valu une très grande popularité, bien évidemment. Et en parlant de popularité justement des présidents, pourquoi, donc là on prend un peu de recul, pourquoi un président, l'ensemble des présidents français depuis la mort de Gaulle et surtout depuis la mort de François Mitterrand prennent la parole sur ce moment d'histoire? On a en tête le discours de Jacques Chirac à Madagascar, celui de Nicolas Sarkozy à Constantine, on l'oublie souvent, ou également à Dakar, récemment celui de François Hollande à Alger. Pourquoi toujours avoir une parole présidentielle sur ce sujet-là? Parce que l'Algérie, a été longtemps liée à la France, 132 ans, ça ne peut pas s'effacer. Par parenthèse, dans le discours de De Gaulle du 18 mars, il y a des choses, qui sont de l'ordre du constat, l'Algérie doit être indépendante, etc. Mais il y a aussi, vous verrez que ça peut peser sur la suite, il y a aussi un constat qui ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire le fait, où il le dit, les Européens d'Algérie vont rester sur place et vont jouer un très grand rôle dans l'avenir des relations entre la France et l'Algérie. Or, vous le savez, ça ne s'est pas passé comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ceux qu'on va appeler plus tard, après les pieds noirs, vont quitter en masse l'Algérie. Et donc, par conséquent, cette promesse qui était contenue d'une coopération franco-algérienne avec beaucoup d'Européens restés sur place, eh bien ça ne va pas tenir, véritablement, cette question-là. Donc, il faut bien comprendre à partir de là que la coopération entre la France et l'Algérie, pendant très longtemps, était d'ordre essentiellement économique, fondamentalement. C'est, que ce soit au temps du général de Gaulle, au temps de Valéry Giscard d'Estaing, qui est allé en Algérie en 1975, puis ensuite sous François Mitterrand, pendant très longtemps, on avait une coopération
qui se voulait exclusivement économique, sans s'attarder sur les questions de mémoire, sans vouloir aborder les questions du passé, parce que effectivement, l'abandon, la perte de l'Algérie française pour une grande partie de la population qui vivait en France, c'est-à-dire les Européens, les pieds noirs en particulier, était toujours une blessure. Et donc, il fallait essayer d'éviter de discuter de cette question-là. N'oublions pas aussi la question des harkis, bien sûr. Bien sûr, les harkis. Oui. Et donc, il y a, pendant presque 30 ans, on a eu effectivement la nécessité d'un partenariat économique très fort, pour des tas de raisons, sur le plan du gaz, du pétrole. Pendant tout un temps, d'ailleurs, il y a eu les expériences nucléaires en Algérie qui ont continué après l'indépendance, etc., je crois, 66. Et puis, il n'y avait pas, disons, cette question mémorielle. Et c'est le premier qui a commencé à aborder la question, c'est Jacques Chirac. C'est à partir de l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac que les questions mémorielles qui secouaient la société française ont été abordées. Alors, bien sûr, il y a eu le discours sur le Valdiv, de Jacques Chirac, qui est célèbre, évidemment. Mais tout de suite après, il y a la question de l'esclavage, avec la loi Taubira, sous Jacques Chirac. Et ensuite, il veut aller plus loin et aborder la question de l'Algérie. Mais là, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches, c'est beaucoup plus compliqué, le contentieux mémoriel est beaucoup plus profond, disons, et il y aura sans cesse des tentatives sur ce plan qui auront lieu, vous l'avez rappelé, par des séries de discours, de voyages, etc. Par exemple, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu la restitution des cartes, des mines qui avait été posé aux frontières, au Maroc et en Tunisie, qui avait tué beaucoup de monde. Et c'est sous Nicolas Sarkozy que la France a restitué ces archives. C'est un geste fort. Un geste très fort qui a été fait, disons, en 2008. C'est très, très important, bien entendu. Il y a eu le discours, il y a eu beaucoup de discours. J'en parle dans mon rapport, qui est devenu justement, un livre, d'ailleurs. On va en parler juste après, justement. Et donc, précisément, beaucoup de discours. Mais assez peu, si ce n'est cet acte que je vous ai indiqué, si ce n'est assez peu d'actes concrets, disons pratiques, dans la volonté d'essayer de dépasser le contentieux mémoriel. Exactement. Et dans les discours, évidemment, comment passer sous silence le discours d'Emmanuel Macron qui, lorsqu'il était candidat, parle de la colonisation comme d'un, je le cite, crime de guerre contre l'humanité. C'est voilà. Comment vous avez interprété cette phrase à l'époque? C'est un constat qu'il a fait en préparation électorale, et non pas quand il était président de la République. Oui, en tant que candidat, bien sûr. Il a parlé de crime, non pas de crime de guerre, mais de crime contre l'humanité, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais ensuite, il n'a pas répété ce propos. Oui. Une fois qu'il est devenu président de la République. Mais pour autant, il ne les a jamais démentis. C'est vrai. Et c'est compliqué, la politique. Voilà. À la fois, c'était dur de le démentir. C'était lors d'une interview. Il ne poursuit pas, mais il ne le dément pas. Donc, on reste en l'état des choses. Mais donc, ça a choqué beaucoup à l'époque. Oui, absolument. Parce que, effectivement, ici, il y a eu des exactions, des crimes qui ont été commis en Algérie, notamment pendant la conquête coloniale. Parce dont on parle très peu, c'est la conquête qui a été absolument terrible au XIXe siècle. Mais néanmoins, ce que j'ai évoqué naturellement dans mon rapport, c'est que ce n'est pas 132 ans d'exaction continue. Bien sûr. Il y a eu effectivement un monde du contact qui s'est mis en place, des tas de choses qui ont été réalisées. Il y a eu de la répression, bien sûr. Il y a eu cette guerre absolument terrible, la guerre d'Algérie, avec des violences, etc. Donc, à partir de là, la tâche des historiens, c'est d'essayer de restituer tout ça en complexifiant, disons, les situations historiques et non pas d'essayer de s'attarder sur des mots d'ordre, sur des, comment dirais-je, des formules toutes faites. Et c'est là toute la difficulté que j'ai eue en rédigeant ce travail, ce rapport que vous connaissez, qui est devenu un livre qui est paru cette semaine. Vous l'avez expliqué dans vos écrits, et c'est justement le travail d'un historien comme vous, 7 millions, soit un septième de la population française, a un lien avec la guerre d'Algérie. Comment expliquer et surtout rattraper cette profonde méconnaissance de cette guerre et des conséquences si fortes au sein de la société française? Nous, pour être honnête avec Sacha, on a tous les deux 26 ans, on a évidemment travaillé pour cette émission, on s'est documenté, mais on a travaillé, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous est. J'ai l'impression qu'on a passé sous silence. On l'a pas passé sous silence, on l'a étudié, on a sûrement oublié, mais voilà, c'est pas quelque chose qui marque comme la première, seconde guerre mondiale. Évidemment, c'est pas comparable, mais ça reste un moment d'histoire très important. Et voilà, 7 millions de Français sont concernés indirectement ou directement par cette guerre. Voilà, donc c'est un travail d'historien. On va le mettre après en avant dans votre rapport, mais voilà, en quelques mots, comment essayer de comprendre cette méconnaissance en France?
Alors, il faudrait faire toute une émission entière à quoi expliquer l'occultation, le pourquoi de cette occultation, le retour de mémoire aussi qui s'est opéré une quinzaine d'années, les guerres de mémoire, les fabrications des identités autour de cette guerre. Il y a énormément de sujets là qui sont très importants et qu'on ne peut pas aborder dans une seule émission. C'est quand même très compliqué. Bon, bah, disons simplement qu'une fois l'indépendance de l'Algérie qui a existé, eh bien, pour une grande partie des Français, il fallait oublier l'Algérie parce que c'était un traumatisme. Voilà. C'est aussi simple que ça. On ne va pas s'amuser à célébrer des défaites, hein, célébrer des abandons, etc. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il a fallu oublier. Mais ce faisant, cet oubli qui s'est installé dans la société française, notamment par l'intermédiaire des lois d'amnistie, parce qu'il y a des 4 lois d'amnistie hein, autour de la guerre d'Algérie, eh bien, cette amnésie autour des lois d'amnistie a été très durable. Il a duré plus de 30 ans, donc on a pris beaucoup de retard. Et c'est ce retard qu'on est en ce moment en train de combler pour la jeune génération, par les émissions, par la télévision, par la radio, comme on le fait bien sûr. Par l'éducation nationale. Mais on a pris énormément de retard, ce qui a permis à toute une série de personnes, disons, de fonctionner sur cette histoire de manière fantasmée, hein, de manière reconstruite, avec des récits fantasmés, en fait, hein, en l'absence, disons, de récits officiels. Et c'est d'ailleurs l'une de vos préconisations dans votre rapport, justement, je vous cite, « Accorder davantage de place dans les programmes scolaires à l'histoire de la France et en Algérie. » De la France en Algérie, pardon. Donc, on va essayer de venir rapidement sur ce rapport, même si c'est dur, comme vous le dites, dans un temps rapide, de revenir dessus. Mais pourquoi ce nouveau rapport, commandé par le président Emmanuel Macron? Alors, il n'en avait pas commandé auparavant, mais vous avez rendu beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'études, beaucoup de rapports. Quelle est la différence avec ce nouveau rapport? Je ne sais pas, c'est la première fois hein, qu'il y a un rapport de ce type qui est demandé en France. Donc, c'était un défi pour moi, évidemment, parce qu'au bout de 40 années de travail sur une histoire, lorsqu'un président de la République vous demande, disons, de relever un défi, soit vous avez la tentation de vous replier dans la sphère académique en disant « Non, moi, je ne me mêle pas du tout de ça, je continue à écrire des livres, je suis tranquille, etc. » Soit, au contraire, à l'âge que j'ai, parce que, comme vous l'avez dit, je suis né en 1950. Ouais, on n'a pas donné votre âge. Eh bien, je me dis, dans le fond, pourquoi pas affronter encore un défi. Bien sûr. C'est-à-dire d'essayer de faire un inventaire des problèmes et, à partir de là, de dresser des passerelles. C'est-à-dire de faire en sorte que cette guerre des mémoires, cette question des identités qui s'affrontent et qui est très dangereuse, la fragmentation des mémoires conduit à des séparations, à des séparatismes de mémoire. C'est très dangereux dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'est un défi, en fait, hein, que je me suis lancé à moi-même dans une situation très difficile parce que, évidemment, beaucoup de groupes qui sont porteurs de cette mémoire, eux, aiment cette guerre des mémoires. Ils se légitiment de cette manière-là. Hein, pour eux, c'est une façon d'exister. Ils ne cherchent pas à mettre en œuvre des passerelles, des passages. À dépasser un petit peu tout ça. Mais ils aiment bien plutôt vivre dans des conflictualités. Malheureusement, vous savez, c'est le cas dans la société en général. Hein. On adore le buzz, le conflit, ce qui fait parler tout de suite, plutôt que la réflexion, trouver des points de contact, des points d'appui, des situations de dialogue. On n'est pas, malheureusement, la mode n'est pas à ça aujourd'hui. On est plus dans le registre de l'émotion et de l'instantanéité et du conflit immédiat que dans la réflexion et dans le fait d'essayer de chercher des voies de passage. Et c'est vrai, moi, je me situe plutôt dans cette situation de recherche de voies de passage. Mais c'est vrai que voilà, vous avez été reçu en juillet, vous avez rendu votre rapport en janvier. Donc voilà, c'est vrai que 6 mois de réflexion, enfin 5 mois et demi, 6 mois, c'est quand même très important. Et au sein de votre rapport, vous demandez au président français de reconnaître la responsabilité de l'armée française dans l'assassinat de l'avocat algérien Ali Boumendjel. Je le rappelle pour les auditeurs, Ali Boumendjel, c'était donc un avocat qui avait été torturé puis exécuté en 1957 et sa mort avait été maquillée en suicide par l'armée française. Récemment, évidemment, vous l'avez forcément suivi. Emmanuel Macron a fait un communiqué de presse pour adresser la responsabilité de la France dans cet assassinat et pour parler au nom de sa femme qui était décédée et de ses enfants. Comment vous avez reçu cette reconnaissance de la part du président Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un acte fort selon vous? Lorsqu'on fait une préconisation dans un rapport de ce type et que la préconisation se réalise, comment voulez-vous que j'aille que le mal? C'est pas possible. Non, mais voilà, vous étiez... Ça va très bien. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Bah, pour vous dire ce qui n'est pas un secret, c'est que je connaissais la famille de Boumendjel, d'accord. En particulier un des enfants qui est décédé, qui a, oui.
qui avait mon âge, qui était un ami personnel, qui était un combattant pour la démocratie en Algérie. Et on a été ensemble dans de multiples combats depuis les années 80 hein, jusqu'à aujourd'hui. Il est décédé il y a 2 ans, Sami Boumendjel. Et lorsqu'il y a eu la possibilité de faire ce rapport et de quelque part de rendre hommage à un personnage comme Ali Boumendjel, qui est un avocat, un militant des droits de l'homme, etc., eh bien, évidemment, et puis aussi par rapport à la mémoire de mon ami, eh bien, je me suis dit, dans le fond, pourquoi pas tenter cette préconisation. Et le président de la République a été très sensible à ça, et il a décidé effectivement de le faire, et en accueillant notamment les petits-enfants, donc oui. Les gens de notre âge, en fait. Bien hein, sûr, exactement. De s'adresser à la nouvelle génération, en fait, la génération qui arrive, pour leur faire connaître cette histoire et faire en sorte, effectivement, qu'on ne vive pas toujours dans la colère, qu'on ne vive pas toujours dans le ressentiment, qu'on ne vive pas toujours dans la guerre, dans la haine, dans la rumination, etc., mais d'essayer de trouver, encore une fois, disons, des voies, des chemins, des passages qui permettent de réconcilier. C'est dans ce sens-là qu'il a fait ce geste. Hein. Mmh. C'est par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose d'anodin hein, d'essayer de quitter ce monde séparé. Moi, j'ai parlé, vous le savez, dans mon livre hein, qui vient de sortir, chez Albin Michel, évidemment. Voilà. J'ai parlé effectivement de mémoires communautarisées, c'est-à-dire de mémoires qui sont enfermées sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la parole des uns et des autres. Les uns n'écoutent pas les autres. Mmh. C'est ça le sens de ce geste qu'il a fait, disons, en recevant les petits-enfants à l'Élysée. Et donc dans ce rapport, qui a été donc à la base un rapport qui a été publié par un livre, vous mettez en avant des obligations réciproques entre la France et l'Algérie. Mmh. Savez-vous comment ce rapport a-t-il été perçu par l'Algérie ? Est-ce que voilà. Vous savez, en Algérie, c'est comme tout à l'heure quand vous avez parlé à la fois de la société, de l'État, etc. Mmh. Il y a des réactions très contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des organisations qui sont contre ce rapport, qui le disent, hein, qui sont violemment hostiles à la France, qui disent on ne veut rien faire du tout, on ne peut rien faire avec la France parce que la France a fait une colonisation terrible et donc qui refuse hein, cette possibilité, disons, de coopération mémorielle. Et puis au contraire, il y a dans la société algérienne beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de messages, qui eux disent eh ben, il faut essayer de dépasser ce passé. J'ai reçu aussi, par exemple, beaucoup de messages de solidarité d'écrivains algériens, c'est pas qui des messages privés ou publics, bon, comme Yasmina Khadra ou Kamel Daoud, bon, qui sont des personnages importants dans l'histoire de la littérature algérienne, qui, eux, ont manifesté ce désir de ne pas rester prisonniers de cette mémoire. Sans oublier, mais voilà, d'avancer. Exactement. Sans jamais oublier. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations. Sacha, je me tourne vers toi rapidement pour la suite du discours. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite du discours de Gaulle, justement ? Alors, évidemment, hein, ce discours donc, il fait suite hein, aux accords d'Évian. Donc, les accords d'Évian, eux, vont mettre fin à la guerre d'Algérie, mais cela n'empêche qu'il va y avoir une poursuite des violences à l'initiative de l'OAS. Le lendemain de la prononciation de ce discours, le gouvernement français, lui, applique les accords, soit le 19 mars 1962. Les opérations militaires sont donc stoppées sur l'ensemble du territoire algérien. C'était la fin officielle de plus de 7 années et 5 mois de guerre en Algérie. Conformément aux accords d'Évian, l'indépendance est acquise sur le plan politique le 3 juillet 1962, le général de Gaulle proclame officiellement la naissance de l'Algérie souveraine. Merci beaucoup Sacha. Un grand merci à vous Benjamin Stora pour la qualité de nos échanges et pour nos analyses. On peut vous retrouver donc dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter vos nombreux livres, dont un livre passionnant, Une mémoire algérienne, et la publication de ce rapport publié en livre très récemment aux éditions Albin Michel, comme vous l'avez rappelé. Merci vraiment, c'est un réel honneur pour nous de vous avoir. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @histoiredundiscours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs et encore merci à vous Benjamin Stora. C'est bon ?